En mettant les pieds sur cette planète, chacun de nous est projeté dans le grand jeu de la vie, un jeu dont nous n'avons pas été autorisés à définir les règles. Dans ce monde, les actions humaines ne sont pas déterminées librement, mais nous pouvons toujours essayer de trouver un juste milieu entre les règles du jeu et le terrain de jeu où réside la liberté humaine. Les limites de ce terrain de jeu constituent les limites dans lesquelles 7 milliards de tragicomédies sont effectuées. Par conséquent, pour chacun d'entre nous, la question la plus importante dans la vie est « Tu veux jouer ?» Alors c'est la question que je vous pose. Tu veux jouer ? Est-ce que vous voulez jouer avec moi ? Est-ce que vous voulez rentrer dans mon jeu ? Allez, venez, suivez-moi. Je vais vous guider en fait dans cette exposition qui va se poser la question de l'identité à l'heure du numérique. Mais se poser la question de l'identité à l'heure du numérique, c'est se poser la question de nos identités multiples, de tous ces autres que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, de cette identité fondée par notre altérité. Pourquoi j'ai choisi le titre « Je est un autre » C'est en référence à une lettre qu'Arthur Rimbaud a écrite à Georges Isambard à propos du poète. « Je est un autre. On me pense. » Finalement, qu'est-ce qui nous fonde dans la vie, si ce n'est ce que les autres disent de nous? À l'heure du numérique, cette donnée est un petit peu transformée. Ce qui nous fonde, comme l'écrit Sherry Turkle, ce sont toutes les histoires que nous allons construire autour de nous-mêmes, toutes les fictions que nous allons raconter et qui vont écrire notre histoire. Nous sommes tous des étrangers de quelqu'un, quelque part. Notre différence, finalement, c'est ce qui nous permet d'être aux autres et d'interagir avec le monde. L'autre n'est donc pas celui qui doit nous faire peur parce qu'il est différent. Ce n'est pas forcément un alien, un ennemi, un zombie, un terroriste ou un vilain. L'autre peut aussi être un collaborateur, un ami, un inconnu qui nous vient en aide, qui dialogue avec nous, qui nous écoute, qui nous soutient, qui nous accompagne. Alors, c'est pour ça que dans cette programmation, j'ai choisi de vous montrer des films, soit qui parlent de mon identité, comme par exemple Saul Lewitt, ou qui parlent de la question du voyage, de la migration, du passage des frontières, ce que c'est que de venir d'ailleurs, de venir sur Terre quand on est un personnage de Second Life ou quand on est un personnage de World of Warcraft. Et puis c'est pour ça que cette exposition se termine par un jeu où il faut collaborer, un jeu où il faut collaborer avec un étranger, un jeu où, pour pouvoir progresser, il faut faire confiance à l'autre, à celui qu'on ne connaît pas. Si aujourd'hui, avec le numérique, notre identité se définit par rapport à notre capacité à créer et à maintenir une narration sur ce que nous pensons de nous-mêmes, alors notre identité se définit par le discours que nous formulons sur nous-mêmes à l'intention des autres. C'est un petit peu la question d'identité numérique. Comment est-ce qu'on se définit? Comment on crée notre portrait sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo? C'est en cela que le travail réalisé autour du détournement des moteurs de jeu dans les machinima, hein, qui sont donc des films faits à partir de moteurs de jeu, joue sur ces questions d'identité et joue sur ces questions d'altérité. En effet, dans les machinima, les personnages sont virtuels, les personnages sont faits d'images en trois dimensions, mais nous apposons bien nos voix. Et quand on travaille avec des adolescents, dans des ateliers machinima, ce travail sur l'identité et sur l'altérité fondée sur la voix, puisque la voix, c'est ce corps qui est absent, le corps de quelqu'un qui est absent, mais qui révèle son identité, eh bien le travail sur l'identité est intéressant. En effet, concevoir un machinima,
c'est pouvoir jouer sur ses identités multiples. Avatar, voix déformée, jeu de personnalité et de mots, détournement des codes de cinéma, détournement des codes du jeu vidéo. En fait, il s'agit de se réapproprier un monde qui nous échappe. Il s'agit de se réapproprier des codes que nous ne définissons pas, mais contre lesquels nous pouvons nous indigner. Et il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, de cyber-résistance, de cyber-criminalité, qui l'indiquent. Le numérique peut aussi servir à ça. Et puis les machines IMA, et c'est pour ça que le film The Spartan Life est là, comme dans toutes les programmations de machine IMA faites pour gamers, est là pour nous rappeler l'importance de la liberté d'Internet, de la neutralité d'Internet. C'est pour ça qu'il m'a semblé très important de mettre à nouveau ce film qui interviewe des gens qui combattent pour la liberté du net, pour que cet espace infini le reste, et pour que nous puissions partager idées, savoirs, biens culturels, que nous puissions continuer à détourner ces technologies pour pouvoir nous exprimer, exprimer notre identité, exprimer nos idées, nous raconter nous-mêmes. Je vous souhaite une excellente visite de l'exposition. J'espère que ces histoires vous plairont et peut-être qu'elles changeront votre vision de l'étranger.